Vous aurez la chance tout à l'heure de revisiter un peu ces classiques de nos orchestres, comme il y a Kelektiki, Oreya Band. Toutes ces orchestres seront repris ici ce soir par le groupe de Petit Corvée qui nous a malheureusement quittés. Mesdames et messieurs, vous aurez dans cette émission quelques témoignages, un peu de ces mélomanes qui sont venus pour assister à la soirée. Ce serait au micro de Mohamed Bangoura et à la fin, on s'y retrouvera pour la clôture de cette émission. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre si vous êtes dans vos salons. C'est parti pour le Club des Anciens pour la première chanson et c'est parti, chers téléspectateurs. Thank you.
sans culture, c'est comme un tigre sans rayures. La culture, c'est quand on a tout perdu, ce qui nous reste, c'est ça la culture. Alors tout ce qui peut aller dans le sens de propulser cette culture, nous ne pouvons que la saluer avec déférence. C'est pourquoi nous encourageons l'initiative et nous tenons la ferme promesse au nom de Madame la Ministre d'accorder un soutien à cette initiative. Vous sentez, vous pouvez imaginer le plaisir que nous affichons. Je fais un appel sincère à la nouvelle génération pour comprendre que la musique d'avant, c'était des conseils. On orientait, on dirigeait, tout dépendait. Ils parlaient même l'avenir du pays dans leurs chansons. Donc, on conseille fortement à la nouvelle génération de s'inspirer. J'apprécie beaucoup ce genre de rencontres. Cette initiative est louable, car la mesure est, d'une part, elle met en exergue le travail remarquable de mon neveu Abbas Pablo Bangoura, qui est une personne, un grand humaniste, une personne de culture, qui est bilingue anglais, franco-anglais, une personne qui a la main sur le cœur, une personne qui a aujourd'hui rendu sa lettre de noblesse au Bureau guinéen des droits d'auteur, parce qu'il l'a restructuré. Et il a aujourd'hui donné une plus grande visibilité à ce monde de la musique, ce monde de la culture. Donc je lui rends hommage et puis je vous rends hommage pour cette belle initiative pour préserver la mémoire collective. Je vous remercie infiniment. Thank you.
invite avec plaisir à la soirée du club des anciens. Bah, c'est une belle fête. On écoute les anciens tubes et ça. C'est vrai que nous, on était peut-être pas nés à l'époque, mais ça fait du bien d'écouter les anciens tubes qui ont fait la une de l'actualité culturelle dans le pays. Et ça nous donne de beaux souvenirs et c'est un plaisir, c'est en plein air et ça fait du bien. Je suis né à Béla avec le Bembeya. L'âge du Bembeya est mesuré à mon âge. Et encore, le dernier spectacle du Bembeya au campus universitaire de Cocody, je l'ai assisté. Donc je suis un de ceux-là qui a vu Demba quelques heures avant sa mort. C'est un artiste hors pair. Demba, en tant que menuisier, est venu de Lola pour Béla. Il a commencé. Et nous, les enfants, à l'époque, à Béla, nous étions... Moi, j'empruntais le pantalon de mes amis pour aller à la soirée avec 5 francs. 5 francs. À l'époque, 5 francs. Et à 0h, pour tous ceux qui suivaient les soirées de Bembeya, à la permanence de Bembeya, on disait que Demba n'était pas un simple artiste. C'est sûr qu'il ne pouvait pas avoir, beaucoup d'âge, il ne pouvait pas être avancé en âge. Puisqu'il n'était pas simple. Demba n'était pas simple. Demba n'était pas simple. Pour tous ceux qui l'ont connu, il a été un célèbre qu'on ne peut pas du tout expliquer. Plus tu expliques, plus tu te sens concerné. Plus tu expliques, plus tu sentiras que Demba n'était qu'un hors-pair des artistes. On va suivre Sekou Bembeya. Hommage à Boubacar Demba Camara. On va suivre ça. Thank you.
grands-parents disent qu'il y a des enfants vieux. Et il y a des vieux qui sont enfants. Ça dit, ils sont vieux, ici, là, c'est enfant. Enfant vieux, il est tout jeune, il a 15 ans, 20 ans, mais ce qui est là, là, c'est l'esprit vieux. Donc, ça veut dire quoi? C'est que les jeunes, l'initiative là, c'est ça qui va donner nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Parce que moi, j'ai 77 ans. Donc, vous voyez, encore 50 ans. Moi, je voudrais leur dire que toutes les bonnes volontés, que ce soit nous les vieux, ce que nous devons donner, c'est ce qu'on peut faire musicalement. Mais l'argent, là, il n'y en a pas. Donc, tous les milliardaires, là, dans notre pays, là, s'ils sont patriotes, c'est des vrais patriotes. Parce qu'on peut avoir l'argent, on n'est pas patriote. On peut ne pas avoir l'argent, on est patriote. Tous les Guinéens de bonne foi qui ont l'argent, qui sont patriotes, ils doivent soutenir ce programme-là. Ils doivent soutenir. Parce que ça veut dire que ce que nos arrière-grands-parents vont connaître maintenant, à partir d'aujourd'hui, ils vont grandir avec ça. Mais s'il n'y avait pas un programme comme ça, tous nos enfants aujourd'hui sont perdus dans le cadre de la musique. Ils ne savent rien, ce que nous nous avons fait, ni hier, ni aujourd'hui, ils sont au courant de rien. Donc, cette initiative-là, c'est ça qui va leur donner de dire que hey, nos parents, là, ils ont fait quelque chose. Hein. Donc, c'est tout ce que je peux dire. C'est tout ce que je peux vous dire. Ça, c'est plein d'émotions. Parce qu'il s'est passé quelque chose tout à l'heure, là, ici. Il y a un jeune qui m'a offert un cadeau, je ne peux pas vous dire c'est combien. Monsieur Souma. Je suis complètement ému, sincèrement. C'est tout ce qui reste, c'est de pleurer. Et j'ai honte de ça maintenant, là. Merci beaucoup. Ok, mesdames et messieurs, pour deux minutes, je demande à la famille d'Aboubacar Diéba Camara, merci, Tanti. Je demande aux parrains, parce qu'on a deux satisfaits pour monsieur Laïdabo. Monsieur Laïdabo qui est le parrain du groupe Standard, qui fait beaucoup pour l'orchestre. Mais aussi la marraine, parce qu'on a un satisfait qu'on a dédié Aboubacar Diéba Camara à titre posthume. S'il vous plaît, la famille de Demba, Hervé Camara, s'il vous plaît, pour les deux satisfaits. J'appelle ici M. Souma qui va remettre. Voilà. M. Souma, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Je voudrais vous remettre ce satisfait à la famille d'Aboubacar Diéba Camara parce que. Ok, c'est bon? Ok. Les photos, c'est bon ou pas? Ok, rapidement, hommage à Aboubacar Diéba Camara. On applaudit ça. Merci. Merci. Ok, merci. D'accord. Merci à vous aussi. C'est lui qui avait fait un geste à Sékou Bembeya. On n'a pas voulu le dire, mais il est là. On applaudit pour lui, monsieur, s'il vous plaît. Ok. À présent, Hervé Camara, le capitaine Bangoura, s'il vous plaît. Capitaine Bangoura, s'il vous plaît. Voilà, monsieur Dabo, s'il vous plaît. Capitaine Bangoura, voilà. Remettez ce satisfait. Ah, les deux sont là, c'est bon. Les grands, venez. Vous tous, les deux qui vont remettre. Parce que pourquoi? C'est ce monsieur qui soutient le groupe Standard de Petit Condé depuis son vivant. Jusque-là, il continue à le faire. Donc, je vous demanderai de remettre ce satisfait en guise de reconnaissance à monsieur Laïdabo qui est déjà là. Allô? Je dédie le satisfait à mon frère Diao, le chef de cœur de Sud Authentique. Ça fait 40 ans que je suis avec lui. C'est un grand frère. Cheikh Diao, s'il vous plaît. Cheikh Diao. Je dédie ça. Chef de cœur de Sud Authentique pour la nouvelle génération, c'est eux qui ont joué Yerewolo, beaucoup d'autres titres. Voilà. Les Fabara avec les Air Bangoura. Il était à la batterie, c'est bien le Cheikh Diao. Il était le chef d'orchestre. On applaudit ça. Approchez-vous, tonton Cheikh Diao. Le micro. Attendez, photo.
Ok, c'est bon. Ok, okay, merci à vous. Il ne veut pas parler. Lui, il parlait avec la main, avec la batterie. Mais aujourd'hui, on veut le faire parler au micro. Allez-y, un mot. Bon, bonsoir, madame, mademoiselle et messieurs. Je ne sais pas quoi dire après mon aîné Sékou Diabaté Bembeya. Oui. C'est vrai que c'est nos grands frères, nous les avons suivis sur le plan de l'âge. Nous les suivons directement. Nous sommes dans les... Nous avons 60 ans et quelques maintenant. Ouais. Mais c'est pas beaucoup ça. Lui, vous a dit qu'il est dans les 77 ans. Oui. C'est vraiment nos aînés. Bon, quand lui, il a fini de parler, je crois qu'il a parlé des jeunes, de l'esprit vieux qui est dans un corps jeune, oui, et de jeunes qui est dans un esprit vieux. Je ne peux pas dire mieux que ça. Oui. C'est un monument de la musique guinéenne. Nous les avons suivis quand nous étions très jeunes. Ça, je le revois encore à la période ici. Oui. Dans ces années de lumière. Dans ces années de lumière. Oui. Je le vois exhibé un très grand guitariste à l'époque. L'exhibé un Sékou Diabaté Bembeya. Je le vois avec ses phases ici. Vous avez vu ce qu'il a fait tout de suite. Oui. Quand vous l'avez vu jeune, c'était pas ça, c'était vraiment autre chose. Bon, franchement, je ne sais pas quoi dire, plus que ce qu'il a dit. Merci, cher Gao. Je ne peux que remercier mon frère d'abord, Laïdabo, qui a tenu à ce que je sois là aujourd'hui. C'était un de nos meilleurs, pour ne pas dire notre meilleur client à l'Oasis. Il a tout le temps été avec nous. Ça fait plus de 40 ans. Et cette amitié, cette fraternité, nous la gardons jusqu'à présent. Voilà ce qui me vaut l'honneur de le remettre, le statistique qu'on a dédié. C'est un grand monsieur qui soutient la musique guinéenne. On applaudit, mesdames et messieurs, le Bembeya Jazz National. L'île Tantée, s'il vous plaît. On va aller avec le titre Moussoubé, un des titres d'Aboubacar Demba Kamara. Hommage est rendu à lui. L'île Tantée, s'il vous plaît. C'est parti avec le titre Moussoubé du Bembeya. C'est parti à mesure. Someone on the colony may get down. What do you believe in the cafe?
National va en compétition, on est prêt à mettre des centaines de milliards. Et quand on dit la culture qui nous appartient, le foot, c'est pas pour nous, c'est pour tout le monde. Et on n'arrive jamais, même un milliard, on n'arrive même à donner à nous. Nous, ils ont fait quelque chose pour l'Afrique et pour la Guinée. Donc,
Je demande aux autorités, ce n'est plus nous, hein, même les générations qui sont en train de faire quelque chose là, ils n'ont qu'à vous soutenir. Donc je m'arrête là. C'est pourquoi je dis ça va plaire à d'autres, ça ne va pas plaire à d'autres. Ok. Merci. Merci tonton Sekou. On applaudit pour cette dame, mesdames et messieurs. Madame Kadi Kamano qui fait beaucoup pour les artistes. Elle vient d'arriver. Il était temps pour nous de présenter cette dame qui est parmi nous. Merci à monsieur Bamfa Gabi, le président du Ganga FC de Kindia. Il est quelque part ici, il ne veut pas se faire voir, mais dans tous les cas, on va signaler sa présence ici. Merci madame la marraine d'être venue. Voilà, on dit merci à commandant, voilà, qui nous régale quelque part. Ok, mesdames et messieurs, le titre de Dabo, chanté par Gabar, on va suivre ça, mesdames et messieurs. Voilà ce qu'on pouvait retenir de cette émission rétro ici à la Payotte. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Merci également à toi, Mamadou Boy, qui a réalisé cette émission. Merci également à notre ami Founou François, qui était le relais entre moi et la cabine. Merci à tout le monde. C'est parti pour ce titre. Qui n'a jamais perdu sa valeur. Je vais connaître.
Diɲɛ bara bɔ tema, diɲɛ bara bɔ tema, diɲɛ bara bɔ tema, diɲɛ bara bɔ tema.